Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc il est 7h, je vous ai pas pris hier parce que j'avais tout le monde à la maison, chérie est en congé et la copine d'Enzo était là, elle est repartie hier. Donc je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog aujourd'hui tranquille entre nous, vous voyez, pour avoir personne dans les pieds, qu'on puisse discuter tranquille, sinon ils sont chiants. Et voilà. Donc ouais, j'ai cette tête là, je suis réveillée depuis 5h30. Je dois pas me lever pour l'école, puisque c'est les congés scolaires hein, pour 15 jours, mais je suis réveillée depuis 5h30. Et ouais. Donc, alors, mon petit week-end. Vendredi, je vous avais laissé, je vous avais dit que je m'étais levée très tôt. Je m'étais levée à 3h du matin. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai redormi de 7h30 à 11h30 avec la petite, qui va très bien. Hein, voilà. Elle est extrêmement chiante, donc c'est que tout va bien. Ensuite, j'ai filmé quelques vidéos quand même, un petit peu. Et le soir, j'ai refait mes ongles. Donc, j'ai réutilisé les magnettes de Chine. Et j'ai fait avec 2-4 size, voilà, en grillage comme ça, rési. J'aime beaucoup le résultat. Le samedi, alors là j'ai beaucoup dormi. J'ai dormi quasi toute la journée. J'ai eu un coup de mou, je pense que j'étais en train de tomber malade. Après je tousse énormément. Chérie a emmené mon beau-frère chercher sa voiture à Bruxelles. Donc du coup le soir on a été au resto chinois. Il nous a invités pour nous remercier, donc voilà. Et j'ai fait un DIY pour Manon, que je vous montrerai tout à l'heure. Il est en haut et je dois aller filmer après 2-3 trucs. Le dimanche, j'ai mon frère qui est venu à 7h15 pour boire le café quand il a été déposé à gamine à son boulot. J'ai fait beaucoup de montage le matin parce que j'avais beaucoup de montage en retard. Et j'ai commandé des insectes. En parlant d'insectes, il y a une mouchette. Mais, elle m'agresse. Ah non, c'est mon cheveu. C'est le bout de mon cheveu. j'ai recommandé des blattes pour rajouter dans l'élevage parce que j'en ai plus des masses vu qu'en hiver, il fait trop froid dans la maison, donc ils ne se reproduisent pas. Et il y a eu quelques décès, paix à leurs âmes. Pas des masses, hein, franchement. Pourtant, pendant un moment, j'ai oublié de les nourrir quand même pendant au moins 6 semaines. Je les avais complètement zappés, les pauvres bêtes. Et il n'y avait pas de mort. Donc là j'en ai recommandé, il y a 120 pièces dedans, donc je vais pouvoir en redonner au Titi. J'ai commandé également des verres de farine, puisqu'ils n'étaient pas chers. J'ai commandé des verres de calcium. C'est la première fois qu'ils en auront, ils n'ont jamais goûté. Et j'ai pris des friandises pour les chiens aussi. Voilà, les friandises, je vous montrerai les verres de calcium aussi, puisque je ne sais pas c'est quoi. Mais je ne les aurai pas tout de suite, hein, puisque il faut commander normalement le vendredi avant midi pour qu'ils soient expédiés le jeudi. Donc là, moi, ça va compter que ce vendredi-ci, donc ils partiront que jeudi prochain. Donc je les aurai que dans 2 semaines et demie, 3 semaines, quoi. 2 semaines, on va dire. Le lundi du coup, donc hier j'ai commencé mon DIY d'Halloween, donc je vous montre pas le rendu, pour l'instant j'ai commencé la maison, je suis bien contente du rendu alors que j'ai juste monté la maquette on va dire, je pense que ça sera vraiment chouette, j'espère, hein, on verra bien. Donc j'ai commandé ça, donc je vous montre pas parce que je filme en même temps vu que ça sera une des premières vidéos d'Halloween je pense. Certainement la première, comme ça vous n'avez pas le spoil du fond. Et j'ai refait une commande chine. Bon, comme c'est étonnant. Mais c'est pas. Enfin, c'est pour Riley. Il fallait absolument que je recommande un collier ou quelque chose comme ça. Du coup, j'ai repris un harnais. Et c'est quand même vachement moins cher sur Chine ou AliExpress qu'en boutique animalerie. Quoi, parce que payer 30 balles un harnais alors que là je l'ai payé 5 balles. Ouais, il me semble que c'est 5 balles. Mais ça, pareil, je vous montrerai dans le prochain vlog, puisque je la recevrai que la semaine prochaine. Donc, je vous montrerai dans le prochain vlog ce que je lui ai commandé. Je lui ai repris des jouets, parce qu'elle me détruit tous ses jouets. Surtout ceux en cordes. Elle adore les cordes, et du coup, elle s'amuse à les défaire. Mais au bout d'un moment, les floches, elles se barrent de partout. Elle avait un petit nounours en cordes, il ne ressemble plus à rien. Ça fait une boule avec plein de filoches, comme ça. Et j'ai commandé 2-3 babioles, 2 trucs qu'il me fallait pour mes make-up d'Halloween, comme ça c'est fait, parce qu'il y a un serre-tête que je voulais qui était presque en rupture.
J'ai repris une poudre d'oncle. Et je crois que c'est. Ah, il y a un mousseur de lait. Voilà. Enfin, un mousseur, un truc, un fouet électronique, là, électrique, pour faire mousser le lait et le café. Pour quand je me fais mes cafés froids ou des cappuccinos ou des trucs comme ça. Comme ça, je peux me les faire à l'unité. Parce que quand je fais la grosse cruche, je dois jeter des trois quarts. Moi, je bois un verre. Et puis après, si ça ne boit pas le reste, je dois jeter. Donc, autant me les faire à ouvert, quoi, directement. Voilà pour mon petit week-end. Ça a été assez calme. On s'est beaucoup reposé. Bon, à part le samedi, parce que chérie est montée jusqu'à Bruxelles et que le soir on a été au restaurant. Ou sinon, on s'est beaucoup reposé. Là aujourd'hui, j'attends une partie de ma commande Shein. Je sais pas, j'ai commandé les deux en même temps. Bon, j'ai fait en deux commandes, mais j'ai commandé les deux en même temps et apparemment, j'en reçois qu'une aujourd'hui. Je vais voir si ça a pas bougé sur mon suivi Bpost. Mais ça peut encore changer parce que jusqu'à 8h, 8h30, ça peut changer, voire même 9h des fois sur l'application. Donc je vais voir. Et j'ai une des deux palettes Jeffree Star sur Vinted qui a été envoyée. Et l'autre, elle part aujourd'hui normalement. Hein, c'est ce que la dame m'a dit. Parce qu'elle m'a dit, désolé, j'ai du retard. Je vous l'envoie mardi. Donc c'est aujourd'hui. Donc avec le jour férié, c'était un peu chiant aussi. Je dérange les titis, je crois. Hier matin, ils sont sortis un peu, mais alors le bordel, ils écoutent rien. Puis Riley qui est dans mes pieds tout le temps parce que dès que je parle à une autre bestiole, elle n'est pas contente. Donc voilà, je pense que si je veux encore les faire sortir et qu'elle est là tant qu'elle n'écoute pas, Ryan, s'il est là, il se fout dans le canapé, il ne bouge pas, lui, il s'en fout. Même s'ils vont par terre, il ne fait pas attention. Mais je vais mettre la barrière que je mets pour les chichous autour de la cage des petits parce que elle ne me laisse pas m'en occuper. Donc. Mais cette semaine, je vais peut-être, si chérie monte pas trop tard et qu'il la prend avec, je pourrais les faire sortir un peu le soir. Hier, j'ai été me coucher à minuit et demi, voilà seulement qu'il se réveillait. Ben, j'ai vous foutez de ma gueule, quoi. Et voilà, donc là aujourd'hui, j'ai deux parties de vidéos à tourner. J'ai déjà fait les intros trop, dont ma collection de VSP que vous aurez lundi et mon détail de backup que vous aurez mercredi. Donc ça va aller vite à tourner. Et voilà, j'ai fait mes soins. Je ne les ai pas fait du week-end, quoi. J'ai fait vraiment ma grosse flemmarde tout le week-end. Je sais pas si vous, quand c'est comme ça, vous flemmardez aussi. Mais bon, ça m'a fait du bien. Hein. J'ai pas fait grand-chose. J'ai The Walking Dead beaucoup. Hein, parce que j'en suis à la saison 6, je crois. Mon fils, il rigole. Parce qu'il me dit, tu vas plus vite que moi pour les regarder. Oui, mais bon, moi, ça tourne en boucle, en fait. Vous voyez? Je fais pause quand je dois faire quelque chose, mais même quand je fais le ménage, je le lance pour, et j'écoute, et puis je m'arrête de temps en temps devant l'écran, voir ce qui se passe. Donc ça tourne en boucle. Mais par contre, j'ai eu un problème sur Netflix. C'est toute la saison 5, je crois que ça m'est arrivé, donc je comprenais rien. Je devais demander à Enzo parce qu'il y avait des trucs que je comprenais pas. Ça sautait vraiment du coq à l'âne. Et parfois, ça me sautait l'épisode en plein milieu d'une phrase. Mais je disais, quoi ce bordel là? Vous savez, quand ça passe en automatique, là. Et en fait, il me sautait les épisodes avant que l'épisode soit terminé. Donc forcément que je comprenais rien, puisque c'est la fin de l'épisode qui vous indique ce qui se passe dans le suivant, on va dire, en gros. Donc forcément, je comprenais rien, quoi. Alors, quand j'ai compris ça, ça m'a aidé. Donc si jamais ça, si vous avez ce coup-là aussi, j'ai un chat dans la gorge. Moi je regarde sur PC, donc si vous regardez sur console ou quoi, je ne sais pas, mais je bouge juste ma souris pour pas qu'il me passe l'épisode. Donc comme ça, une fois que l'épisode est vraiment fini, je passe au suivant, parce que sinon je ratais la fin à chaque fois. Et là sur la saison, je crois que je suis à la 6 là, il me le faisait pas au début, et maintenant il me le fait aussi. Je comprends pas. Voilà. Il ne veut pas passer ce foutu gère dans la gorge. Ben, je vais vous laisser. Je vous reprendrai 2 minutes en haut au téléphone pour vous montrer le petit DIY que j'ai fait pour Manon. On se voit chez Amy le 28. Donc comme ça, je pourrai amener encore tous les DIY à Manon, la pauvre. Je l'envahis de DIY puisque je sais qu'à elle, ça plaît vraiment. Donc ah, j'en ai fait une petite pour Alice. Ah bah je vais vous montrer. Je sais pas si je vous ai montré le rendu final, je crois pas. Je crois que je vous ai même pas montré du tout. Je vais vous montrer ça. Et ouais, je suis en train d'en faire deux là. Je suis en train de faire mon champignon et en parallèle j'ai commencé celui d'Halloween. Parce que le champignon, c'est très long à sécher le dôme, enfin la tête du champignon.
Voilà. J'ai commencé la carte d'anniversaire de DJ, mais je peux pas vous montrer si jamais elle regarderait le vlog. La carte pour le mariage de mon beau-frère aussi, je peux pas vous montrer parce qu'elle, elle regarde les vlogs. Donc, je vous montrerai avant que je leur offre, en fait. Voilà. J'ai mon cerisier qui est en fleurs, c'est trop beau. J'adore le mois de mai, juste pour ça. C'est trop beau. On va commencer bientôt à voir les petits papillons. Enfin, peut-être en juin seulement les papillons. Ouais, bah d'ailleurs, les vers de calcium, là, c'est des trucs de papillons. Mais je pense que c'est des espèces de papillons de nuit. Des larves de papillons, quoi. Donc j'espère qu'ils vont pas tous éclore. Il faudra que je les mette au frigo, ceux-là, pour être sûr. Les vers de farine, j'ai trouvé, je les mets dans le tiroir au noir. Donc comme ça, ils dorment et j'ai pas besoin de les nourrir, rien. Et ils tiennent super bien, là, du coup. Ouais, les autres, ça fait plus d'un mois que je les ai, là. Oh ouais, vachement plus, même. Et ils bougent pas. J'ai pas de mort, j'ai rien. Par contre, c'est chiant parce que c'est des tout petits. Là, j'ai pris des médiums, donc... Il y en a un peu plus. Bon, ils attendront après que j'en reçoive. Même s'ils en ont plus pendant quelques jours, c'est pas très grave. De toute façon, je leur donne des protéines autrement quand j'ai pas de verre. Je leur donne ça du poulet, du poisson, des œufs. Hein. Je leur donne des protéines autrement. Et là, ils sont en train de trier parce que chérie a racheté un melon. Donc, on leur a donné du melon. Mais du coup, ils veulent plus rien d'autre. Donc là, ils ont juste mangé la poire parce que j'avais mis poire concombre hier. Ils ont juste mangé la poire. Ils ont laissé tous les bouts de concombre. Donc là, ils vont redescendre pour râler, pour que je leur donne à manger. Quelque chose qu'ils aiment bien. Je vais leur mettre un petit bout de pomme. Au cas où ils auraient faim dans la journée. Et voilà. Bah écoutez, moi je vais aller filmer ce que j'ai à filmer. Et puis je vous reprends en haut pour vous montrer le DIY que j'ai fait pour Manon. Ou je vous le montre demain. Enfin, je sais pas, je verrai bien. Voilà. Là je vais achever ma vidéo. Oui, parce que le matin, c'est pas The Walking Dead le matin. C'est les vidéos True Crime. Bon. Celles que j'ai pas vues qui sont sorties la veille. Donc là je suis sur une de Raffut. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup comment ce qu'il explique. Les vidéos, et puis j'ai encore un au bout de l'enquête à regarder aussi. Voilà. Ouais, à part attendre mes commandes Vinted et mes commandes Chine, j'attends rien d'autre puisqu'il faut que je limite mes achats quand même. Il y a juste au mois de juin, là, Manon m'a partagé une palette d'highlighter qui sort sur un site que je connais pas du tout. Mais il y a 6 highlighters, 6 ou 8 highlighters dedans. Je pense qu'elle va pas être donnée, je pense qu'elle va être au moins à 50 balles. Mais elle sort mi-juin sur leur site, je m'en fous, je me l'achète quoi. C'est des duochromes, enfin multichromes. J'ai demandé au site officiel voir si je pouvais pas la recevoir, mais comme c'est une édition limitée, ils n'envoient pas, enfin ils ont déjà envoyé les PR habituels quoi. Donc voilà, dommage. J'aurais tenté le coup, hein, ma foi. On verra bien. Mais j'ai pas de nouvelles de Madame Glam, tiens d'ailleurs, elle m'a pas dit qu'elle m'avait envoyé mon colis. Donc ça fait que je ne sais pas prévoir pour quand je dois faire la prochaine vidéo collab avec Madame Glam. J'ai ma tresse depuis des jours. Hein. Enfin, je la resserre juste un petit peu de temps en temps, mais elle part en cacahuète totale. J'ai fait une tresse samedi pour aller au restaurant et depuis elle est là. Mais comme j'ai pas filmé, j'ai rien foutu. Bon, ça fait du bien aussi un petit peu. Ouais. Bon, allez, je vous reprends en haut pour vous montrer le DIY. Moi, j'avais filmé ça et puis, enfin, filmé ce que j'ai à filmer. Et puis voilà. Donc, voilà le rendu de la petite maison que j'ai fait pour Alice, donc la copine de Sam. Voilà, c'est assez simple, mais je trouve ça joli. Voilà, je lui ai mis le petit lapin là que je trouvais trop gros pour mes DIY, des petits poussins, petits oiseaux, champignons, lanternes. Et voilà, c'est tout simple, mais c'est très joli. Donc voilà ce que j'ai fait pour Manon. Alors au départ, j'avais mis des petits pieds comme j'ai mis sur le mien qui est ici. Hop. Voilà, mais ça n'a pas tenu. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas collé. Donc je pense que c'est parce que c'était directement sur le plâtre et pas, j'avais pas mis une couche de peinture en dessous. Et bon, bah, ma foi, soit elle peut s'en servir pour le poser comme ça, pour mettre...
pour faire des photos Insta, soit elle peut le mettre comme ça, enfin, ou l'accrocher si elle colle une corde derrière. Donc voilà, Manon, j'espère que tu aimes bien. Riley descend. Elle danse. Donc voilà, je vais l'ajouter dans sa petite caisse de DIY. Enfin, ça, c'est pas un DIY, hein, c'est un truc que je dois lui donner pour si elle veut faire ses photos. Ça, c'est le deuxième petit shampoing Kérastase. Finalement, je suis allergique. J'ai attrapé plein de petits boutons dans le dos. Enfin, bref, voilà. Donc, la petite maison, là, vous aurez une vidéo. C'est pas celle-là, mais bon, la licorne qui est là derrière aussi. Et voilà. Ben, écoutez. Je pensais avoir mon Cerbère aujourd'hui, mais apparemment c'est l'autre commande que je reçois, donc je sais pas si je vais recevoir les deux. Oh, j'aime trop cette déco, c'est trop beau. Bref, bah écoutez, sur ce, on suit du jour. Alors, il est 9h10. Je viens d'aller filmer ce réel que vous avez certainement déjà eu, et voire même en short également. Donc voilà. Là, j'attends le facteur puisqu'il m'amène la deuxième partie de mon haul Shein que je vais aller filmer une fois qu'il sera passé. Il m'amène un collier Amazon aussi. Je vous montrerai ça plus tard. Voilà, c'est le cadeau de mariage pour mon beau-frère et ma belle-sœur. Enfin, et ma future belle-sœur. Je vais continuer la boîte là en attendant la boîte cadeau. Comme ça, je pourrai tout mettre dedans. Ce soir, si chérie finit pas trop tard au boulot, on ira normalement chez Action. En sachant qu'il est rentré à 18h passé hier, donc il a fini très tard. Voilà. Là, il faut que je recharge ma batterie, que je nourrisse les chiens. Et voilà. Et je crève de mal au dos depuis ce matin que je me suis réveillée. Je me suis réveillée avec Riley qui me léchait la tête. Je crois qu'elle a bien aimé mon shampoing à la coco. Voilà. Ouais, sinon, j'ai rien de spécial à vous dire. Donc, je vais tourner le haul Shein, mais j'ai déjà reçu une partie hier. J'ai essayé les chaussures que j'ai commandées. Alors, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je les ai reçues en 39. Je les avais commandées en 39. Sauf que sur le détail des commandes, c'était marqué qu'elles étaient en 38. Finalement, je les ai reçues en 39. Sauf qu'elles sont un tout petit peu trop grandes. C'est même pas qu'elles sont un tout. Enfin, si elles sont un petit peu trop grandes parce qu'elles glissent derrière. Je pouvais les échanger. Je peux les échanger. Hein, c'est franchement Chine. Pour les échanges, c'est rapide et tout. Mais j'ai peur que là elle soit un petit peu trop juste et que du coup ça me blesse derrière, puisque c'est une chaussure dure, donc à l'arrière c'est dur et ça risque avec le frottement de blesser. Donc du coup sur Amazon j'ai commandé des coussinets pour mettre à l'arrière des talons des chaussures pour éviter justement bah, d'être blessée et puis qu'elle glisse. Donc on testera, normalement je les ai demain, donc on testera ça demain ou après-demain suivant l'heure que je les reçois et on testera voir si c'est efficace ou pas. Voilà, j'ai jamais acheté les petites talonnettes comme ça. Je vais remettre mes semelles aussi à l'intérieur. J'ai des semelles, vous savez, en espèce de silicone gel comme ça. C'est ce que j'avais. J'avais les chols, j'ai les chols aussi, mais les chols sont un peu épaisses. C'est pour quand je travaillais, vu que des fois j'étais pendant 10 heures debout. Il me fallait quelque chose pour mes pieds, quoi. Donc je vais mettre mes semelles dedans aussi et on testera donc avec la talonnette là. On verra si c'est efficace ou pas. Hein, écoutez. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas grand-chose à vous dire. Je pense que vu que j'ai pas vlogué lundi, en plus le vlog va être très court. Mais bon, avec moi on sait jamais. Des fois, je dis ça et puis il fait 1 heure. Donc je ne sais pas. Voilà. Hier j'ai eu une idée de réel, donc je vais voir pour mettre ça en place. J'attends toujours mes palettes Jeffree Star Vinted. Il y en a une qui devrait arriver aujourd'hui, ou enfin c'est marqué entre le 3 et le 5, donc voilà. Je vais l'avoir cette semaine, donc je pourrais vous faire le swatch and make-up la semaine prochaine sans souci. Mais l'autre, la Alien, la dame ne l'a pas encore envoyée. Voilà, depuis vendredi. Elle m'a envoyé un message lundi en me disant qu'elle avait du retard et qu'elle la postait demain sans faute, hier donc, et toujours pas été envoyée. Donc j'espère qu'elle va l'envoyer aujourd'hui, parce que c'est quand même la plus chère des deux, hein, donc voilà. Et je la retrouve pas au même prix. Hein. Après, elle est à 40 euros, celle les autres que j'ai trouvées, donc ça fait déjà 10 euros plus cher. Donc je vais voir, j'espère qu'elle va vite l'envoyer. Hier, j'ai oublié les chichous, quoi. J'ai oublié de les faire sortir. Alors, hier soir, ils me faisaient tous la gueule. Aujourd'hui, il faut pas que j'oublie après ma sieste, faut absolument que je les fasse sortir. Mais hier, j'ai dormi beaucoup. Encore, je me suis levé tard de la sieste, à 3h30. Et en principe, comme je me lève entre 1h30 et 2h30,
Je sais que j'ai encore 1 heure de battement avant de les faire sortir parce qu'ils dorment hein, jusqu'à 3h, 3h30. Et là, j'ai complètement zappé. En même temps, ils m'ont pas rappelé non plus qu'ils étaient là. Donc voilà. J'ai pas vu les titis. Je voulais hier soir les faire sortir un peu, mais j'ai été me coucher à 1h30 du matin. A pas vu. Je me suis réveillé à 5h30 du matin parce que je devais pisser. Et à 6h30, Riley m'a réveillé en me léchant la tête. Sympa, mes nuits. Hein. Voilà. Ouais, bah moi je vais acheter mon petit DIY et puis je verrai si j'ai autre chose à vous dire après. Mais je pense pas. Donc, soit je vous reprends tout à l'heure, soit ensuite je joue. Enfin, vous connaissez la chanson, quoi. Je vous filmerai peut-être les chichous quand ils sont en train de jouer dehors. Ouais. Si j'oublie pas de les faire sortir. Mais oui, je joue avec mon tube de colle. Mais ouais, je vous les filmerai certainement un petit peu tout à l'heure. Voilà.
Alors, il est 9h13. Je suis un peu blanche là. Ah oui, mais le truc pour régler, il est loin. Tant pis. Je filme. Donc hier, on a été chez Action. J'y allais pour chercher un truc précis. Il n'y avait pas, bien évidemment. Je les ai vus la dernière fois qu'on y était. Je me suis dit, je ne vais pas les prendre tout de suite, j'ai le temps. Du coup, ils n'y étaient plus. Ah, il est, arrête. Et j'en ai quand même eu pour 65€. Hein. Voilà. Oui, je vais te le donner. Donc, je commence tout de suite par vous montrer. Alors d'abord, on est passé à la pharmacie pour acheter... Bah, oui, je vais te le donner. Il y a un joujou pour elle que je viens de remettre dans le sac. De l'antiacide. Alors, ils sont en rupture de pastirénie. Arrête, putain, elle me fout sa truffe mouillée partout. Et du coup, j'ai repris des riopans. Donc ça, c'était 18 balles. Mais on a pris aussi le vermifuge et comprimé anti-puce et anti-tique pour les chiens, puisque l'écolier Riley les a bouffés. Donc voilà, 60 balles dans le cul. Hein. Arrête! Et on en a eu pour 130 balles en tout. Magnifique. Aïe, les animaux, ça coûte cher. Donc je vais vous montrer son jouet pour qu'elle me foute la paix. Il est déjà un peu crado parce qu'elle joue avec toute la soirée. C'est un pouet-pouet arc-en-ciel. Aucune réaction. Il y avait fleurs aussi. Et il y avait un autre truc, mais je sais plus c'est quoi, mais j'y allais craquer sur arc-en-ciel. Donc, Ah, tu veux que je te le lance en plus, t'exagères. Et ça, c'était... Alors, attends, je vous donne les prix en même temps. Hein. Écoutez, on est entre nous. Hein. Elle va faire que ça, maintenant, on va le ramener. Ah, maintenant, le gros qui veut rentrer. Attends, Ryan. Joyeux jouet pour chien. 1,49€. Je vais ouvrir à Ryan. J'aurais pu lui prendre la fleur aussi à ce prix-là, mais bon, comme je vais commander des jouets sur Chine, donc il n'y a pas besoin de 50 000 la revue là. 50 000 jouets non plus, hein, on a déjà tout un tiroir qui ne ferme plus. J'ai repris deux paquets de 6 warp pour les tacos. Ils sont pas chers et ils sont grands là-bas. Donc c'est ça qui est bien, mais ils n'en ont pas tout le temps. D'ailleurs, ils n'ont plus du tout de crispy oignon. Je n'arrive pas à retrouver, ça m'énerve. Je vais essayer de ne pas faire tout le long que je cherche mes trucs. Ah oui, j'ai pris un paquet de chips, les Chipitos, là, les Big Cheetos. Là. Enfin, les Cheetos Big Chipitos, 1,36€. Et des Lay's Deep Barbecue, 1,39€. Voilà, parce que ça, je les ai déjà rangés. €1,89 les doré. J'ai repris une boîte de gants en latex, puisque ça j'utilise aussi bien pour mes colos, parce que j'aime pas les gants qui fournissent avec les colos, ça fait du bruit, ça m'énerve. Donc j'utilise ceux-là et je m'en sers aussi pour malaxer mon papier mâché et compagnie. Désolé pour le pouet-pouet. 100 pièces, 5,95€. J'ai repris 3 rouleaux, enfin c'est Chéri qui me les a pris, il me les a trouvés. 3 rouleaux de papier peintre comme ça, non, filé de là. Donc masking tape, mais vraiment pour les travaux quoi. Hein. Ça, c'est ce que j'utilise pour mes DIY, pour coller mes cartons, sécuriser les tours, découper tout ça pour pas que ça s'imbibe de trop. Et cela était à 1,24€. Il y avait 3 prix différents, hein, affichés. Il y en avait dans un panier, soi-disant promo, à 1,39€, je crois. Non, 1,49€. Ils étaient à 1,39€ dans le rayon et ils sont passés à 1,24€. J'ai repris 2 sprays curl
pour mes cheveux. Il n'y avait plus d'huile aussi, donc j'attends qu'il y en ait de nouveau. Mais j'ai repris mes deux sprays cheveux, parce que si vous n'avez pas encore vu ma vidéo backup, vous verrez ma vidéo backup. €1,94. C'est chiant, j'ai pas de bic pour barrer. D'habitude, je barre au fur et à mesure que je vous affiche les prix, mais là, j'ai pas pris. J'ai repris également deux bouteilles d'eau de rose. C'est plus facile quand je les fais, que je mets les prix au montage. Hein, mais écoutez, là, on est entre nous, donc on s'en fout. Ah, 1,54€. Je cherche tout de suite le démaquillant parce que j'ai repris du démaquillant aussi. Et je viens de le voir et je ne le trouve plus. C'est un truc de dingue. Elle est en train de me pousser en bas du fauteuil. Mais arrête, Riley! Voilà, deux biphases Alvira 1,68. J'ai repris un paquet de lingettes baby. Voilà, je prends les classiques. J'en utilise ici en dessous pour ben, quand les titines font pipi dessus. Ou quand je me démaquille, que j'ai beaucoup de produits sur la face. Quand je fais des make-up un peu plus artistiques et tout ça. Je donne toujours un coup de lingette avant de passer à l'huile démaquillante pour enlever le plus gros. Je l'ai fait dans l'ordre qui sont notés sur ticket, c'est plus simple en fait. Et ils avaient enfin re-rentré mes boîtes de bonbons, donc j'en ai pris deux, elles sont à 1,49€, donc je prends que ceux à la fraise, hein. Les autres je les aime pas, les sûres de toute façon je peux pas les manger, et c'est les seules qui sont pas sûres, mais de toute façon c'est les seules que j'aime bien. J'ai pris 3 paquets de nouilles pour nous manger à midi dans la semaine, puisque Georges est en congé. Donc voilà, j'ai pris celle au bœuf à 0,39€. Ah, les masques. Attendez, faut que je les trouve. J'ai pris 2 nouveaux masques. Donc vous savez que j'adore les foils là, argent et or. Ben là, ils ont sorti des holographiques. Donc j'en ai pris 2. 0,89€. Voilà. Et ceux-là, je les adore parce qu'ils se mettent vraiment bien sur la face. C'est ceux que je préfère de chez Action. Je me suis pris un pot de barbe à papa parce que c'était avec une licorne. Je sais pas si vous allez bien voir. Je recyclerai le seau, bien évidemment. Mais j'ai trouvé que c'était très joli et ça me donnait envie de barbe à papa. Et ça, c'était pour 50 grammes, 0,95€. Et elle va tomber. Elle me pousse de plus en plus. Hein. Chérie s'était pris des gaufres noisettes, mais il les a déjà mangés. Enfin, il les a déjà sortis pour leur manger. C'était 1,49€. J'ai pas retrouvé le gommage à la fraise, mais chérie m'en a trouvé un à la banane à 1,99€. Donc, c'est un gommage pour le corps avec du sucre. Ils sont assez doux, donc s'il est comme à la fraise, il mousse en même temps. Celui-là, à la fraise, j'avais vraiment adoré. Et celui à la banane, je crois que je vais l'aimer encore plus, hein, parce que vous savez comment l'odeur de banane... Ouais, c'est la même texture, en tout cas. Oh, mais Riley, elle me pousse. Vous voyez, c'est vraiment un gel, c'est un gel lavant, en fait, gommant en même temps. J'adore ce truc. Et il sent meilleur que celui à la fraise. Donc, je vous ai donné le prix, hein. Je sais plus. Oui, hein. 1,99€. Fine. Je me suis repris mon masque pour les cheveux, celui à la kératine de This Is It. Voilà, c'est mon préféré. J'en ai plus qu'un d'avance. Quand j'en ai un d'avance, j'en rajoute un. 1,99€ aussi.
Chérie s'est repris du café. Voilà, comme d'habitude pour la SNCO, 36 pads en régular, 1,98€. Les friandises pour les chiens, je ferai après. On a pris un rideau à fil comme ça, vous voyez, pour s'en servir comme moustiquaire à la porte de la buanderie. Parce que si on met une moustiquaire à la fenêtre, on met une moustiquaire aimantée, vous savez. On en mettait une avant aussi à la porte de la buanderie et de l'extérieur. Sauf que ben, quand les chiens y grattent, après le truc, ça fait des trous, ça arrache, elle ne tient pas bien. Donc là, je voulais vraiment une, soit avec des lanières en plastique, soit une comme ça, ça sera très bien. Et elle était à 3,89€. Il ne reste plus que des friandises pour les chiens, à part les cartes d'anniversaire à 0,69. J'en ai pris une pour DJ, vu que fin du mois, c'est son anniversaire. Voilà, avec des petits smileys. Je la trouvais vraiment sympa. Happy smile. Et à l'intérieur, il y a des petits cœurs. Et j'ai déjà trouvé celle pour Manon. C'est en septembre, mais tant pis, au moins, je l'ai déjà. Avec les princesses Disney. Cendrillon, Jasmine, Ariel. Je la trouvais très jolie aussi. À l'intérieur, il y a Tiana et Aurore. Voilà, je la trouvais vraiment jolie. Sur l'enveloppe, vous en avez plusieurs. J'aime vraiment trop. Il y a Mulan en plus. Il y a Belle, Vaiana même. Là, je pense que c'est Réponse. Ouais, Réponse. Voilà, l'enveloppe de celle-ci est comme ça. J'ai trop craqué dessus. D'ailleurs, j'ai oublié d'en prendre une pour Amy au passage. Et donc, en friandise pour les chiens. Alors là, ça va être compliqué. On a repris le gros sac comme ça de 1 kg, je crois. Ouais, 800 grammes. Il les adore, hein, tous les deux. Donc, écoutez. Voilà. Alors, il faut que je le trouve. €3,99. Donc, franchement, pour 800 grammes, ça fait vraiment pas cher. J'ai pris ceux-là pour la petite, pour qu'elle en ait des à mâchouiller, parce que hein, comme elle est encore jeune, elle fait les dents. Donc là, c'est 5 kebab sticks. Spécial dents. Bon, après, est-ce que c'est vraiment spécial dents? Je ne sais pas. Kebab stick, 1,99€. J'ai pris ceux-là pour le gros, aussi pour mâchouiller un peu. Pareil, il y en a 5 dedans. Et là, c'est des... avec des filets de canard, 1,99€ aussi. Et le dernier, j'ai pris ceux que le gros il adore, ils sont un peu plus grands. La petite, elle est en train de me faire chier parce qu'elle en veut un. Les sticks XXL à 0,97€. Voilà, il y en a deux dedans, mais le chien, le gros, les adore. C'est que du poulet, donc c'est très sain. Et voilà pour mon haul. Action. Je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Donc maintenant, je vais pouvoir ranger mon petit bordel. Riley, laisse le canapé. Il est où ton joujou? Elle est chiante. Elle est chiante. Donc là, moi, je vais attendre le facteur. J'ai déjà nourri les chiens. Je vais faire mon petit montage. Et on testera les talonnettes dans les chaussures demain. Puisque tout est encore en haut. Il faut que je range mon linge. Mais j'ai plus de place dans l'armoire. Donc... le linge que j'ai tourné, que j'ai commandé sur Chine, j'ai pas de place pour le ranger dans l'armoire, donc il faut que je fasse un petit peu de tri et de rangement. Et donc voilà, une fois que j'aurai fait ça, je pourrai ranger dans mon armoire. Je pense que je vais faire ça ce week-end, mais j'ai laissé les chaussures en haut en attendant, donc j'irai les chercher tantôt et on testera avec ma semelle et ma talonnette, voir si je les perds moins que... Mais je vais... Je suis assise sur ça du canapé. Elle a tout le reste et elle me pousse encore. Mange pas mon coussin. Ah non, c'est un bout de carton, j'ai rien dit. Donc voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, ça sera déjà pas mal. Je fais un petit gueule, je sais pas pourquoi. Donc, bah ensuite, je crois. Alors, il est 7h. Moins 5, mais 7h quand même. Mais, descends. Oui, j'ai un palmier au-dessus de la tête.
Bah, c'est déjà la fin de ce vlog. Écoutez, c'est passé super vite cette semaine. Bon, déjà, je vous ai pas pris lundi, donc forcément, ça raccourcit un peu le vlog. Mais, oui, je suis en train de nettoyer mon PC portable en même temps. Mais voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein, c'est comme ça. Donc, ce matin, j'ai déjà déroché mes bricolages d'hier, fait mes DIY. J'ai déjà préparé ce qu'il faut pour le reste. J'ai fait mon lave-vaisselle. J'ai fait quoi encore? Là, j'attends qu'il soit au moins 7 heures pour pouvoir aspirer mon poêle et l'allumer parce que je me les gèle. Je viens de terminer les bouillies pour les titis. Donc, j'ai dû les démouler pour les mettre dans le sac de congélation. Ça me fait super mal les mains. Le froid comme ça du congèle, ça me brûle. Et je me suis réveillée à 5h30. Parce que j'avais mal mon bras, donc le bras droit, en même temps c'est le côté où je dors, hein. Et que j'avais la main tellement engourdie que ça me brûlait, quoi. Je n'en peux plus. Là, ça fait 2 jours que je souffre le martyr. Je vais prendre un afflégant pour essayer de faire passer ça. Je voulais aller à la douche, mais quand je suis toute seule, c'est pas évident à cause de Miss Patate, là, parce que si je la laisse en bas, elle hurle à la mort. Si je la prends en haut, elle grogne sur la douche. Voilà. Donc, j'ai reçu hier les semelles, les petits coussinets, là, donc je vous montre déjà ce que c'est. En sachant que j'ai dû recommander, j'attends encore une commande Amazon aujourd'hui, parce que j'ai dû recommander un casque pour Georges, pour qu'il puisse jouer à sa PlayStation, puisque son casque a lâché. Ceux de chez Action ne tiennent vraiment pas longtemps, hein, je vous les déconseille. Après, moi, ils tournent en boucle, hein, les consoles et tout ça. Donc voilà, il y a 3 paires dedans, c'est des espèces de bouches comme ça que vous collez sur le talon, à l'intérieur du talon de votre chaussure pour éviter le frottement et que ça ne vous blesse, hein, que vous attrapiez des cloches ou pour rétrécir la chaussure. Là hier, je les ai collés quand je les ai reçus parce que je les ai reçus à 20h, donc j'ai déjà essayé, mais j'avais pas mis mes semelles et j'avais pas de chaussettes et je glissais encore. Donc là, ça donne ça, c'est vraiment invisible, ça se voit pas bien, ça se voit pas beaucoup. Et là, du coup, j'avais le pied qui glissait plus à l'intérieur et ça me poussait ici à la pointe. Donc, ça me faisait mal les douilles. Voilà, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Là, je viens de mettre ma semelle qui est un tout petit peu trop longue. Donc, avant de la couper, je vais tester parce que sinon, je vais carrément faire un échange. J'ai retrouvé la boîte. Donc, je vais faire un échange Chine. Hein, ça va super vite. Hein, je vais quand même les prendre en 38 au pire des cas parce que je les aime trop. Mais voilà, donc là je vais déjà essayer comme ça, je vais enlever ma chaussette pilou pilou et je vais aller chercher, j'ai mis où mes chaussettes, attendez. Donc j'ai pris des sockets au cas où, c'est des blanches, c'est des bébés Yoda, mais pour essayer, là j'ai déjà essayé sans chaussettes, voir si je schlappe encore ou pas. Dedans. Ah, ça chlappe encore un peu parce que ça glisse. Alors attendez, je vais mettre la deuxième et je vais faire un test debout. Mais j'ai l'impression que ça chlappe un peu moins. Maintenant j'ai peur, vous m'entendez différemment, mais j'ai dû poser mon micro. J'ai peur que je me glisse trop vers l'avant. Tu as le bon bout, les gars. Ah, elle échappe plus. Je vais vous poser autrement pour que vous voyez au moins mes chaussures. Il va falloir que je me mette super loin. Je vais essayer sur la toutes les places de la maison. Vous n'allez pas être très droit, mais. C'est juste 3 secondes, le temps que je vous montre. Et vous voyez toujours pas. Hein. Ah, c'est mieux. Youhou, je suis contente. Ah, c'est nickel.
démarre son char à voile. Je préférerais que ça soit à voile parce que vu le boucan que ça fait. Ah, je suis contente. Bon, du coup, j'ai même pas besoin de tester avec les sockets. Je pense que si je veux mettre des sockets dedans, si j'enlève les semelles, ça ira. Et là, comme la semelle, c'est une semelle en gomme, enfin en gel, du coup, ça évite que je glisse vers l'avant. Oh, je suis trop contente. Ah là là. Bon, après, il faut que je trouve une technique pour la semelle parce que là, elle se décolle. Enfin, comme elle n'est pas collée au fond, c'est des vieilles. Hein. Je vais couper juste un tout petit bout. Je pense que je vais couper à l'arrière. Enfin, je verrai ça tantôt. Mais voilà, du coup, je valide les petits coussinets. Là, je pense que demain, il faut que je voie avec Chéri ce qu'il a prévu. Bah, demain, on est samedi. Hein. Ouais. Je vais peut-être aller chercher mes baskets aussi. Et j'ai toujours mon foutu chat dans la gorge depuis 3 jours. Ah, en tout cas, je suis bien contente. Ça m'évite de les retourner et de risquer d'avoir des blessures à l'arrière du talon. Et voilà, parce qu'elle me plaisait trop, j'avais pas envie de changer. Après, il y a d'autres modèles. Hein. J'aurais bien aimé trouver une avec les chaînes argentées, mais j'ai pas trouvé. Ah. Oh. Donc, ben, ça c'est fait. Il me reste plus qu'à vous donner le planning et à vous dire au revoir. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des antibiotiques de Riley, donc elle a eu déjà celui du matin. Il reste plus que celui du soir. Hier, je leur ai donné le vermifuge. Et tantôt, je leur donnerai le frontline. Ah ben, je vais vous les montrer, tiens. Donc ça, c'est le vermifuge qu'on trouve en pharmacie. Trontal, c'est ça? Ouais. Trontal. Voilà, normalement, c'est un comprimé par tranche de 10 kg. Enfin, une petite tablette. On en a donné un à la petite qui fait 10 kg parce qu'elle doit être vermifugée plus régulièrement vu qu'elle est jeune encore. Le gros, il a un ou deux vermifuges sur l'année. Donc là, on lui a donné 2 comprimés, même qu'il fait 45 kg. Hein. Mais comme ça, on sait refaire un traitement d'ici 3 mois, vous voyez. Et ça fait des économies. Et c'est assez pour le gros, vu qu'il mange pas... il mange sa poulette et les croquettes, il mange rien d'autre. En principe, c'est assez rare. Et les Front Pro, que c'est pour les puces et les tiques. Voilà, donc là, c'est pareil, c'est des comprimés. Donc là, c'est un comprimé tous les 30 jours. Nous, on va pousser jusqu'à 6 semaines pour voir si ça fonctionne. Si on voit qu'ils reviennent avec une tique, on leur redonne un comprimé. Donc, c'était pas donné. Il y a pour 3 mois, vu qu'il y a 3 comprimés. Donc, si on arrive à tirer un peu plus, et au final, ça revient au même prix à peu près que les colliers. Parce que pour la petite, donc le vermifuge, il était à 28,52 €. Pour la petite, c'était 38,98 € et pour le gros, c'était 44,98 €. Voilà, 39 et 45 €, quoi. Et les colliers, je paye aussi 30-40 €. Donc, vous voyez, sauf qu'ils sont efficaces plus longtemps, vu qu'ils font jusqu'à 8 mois d'efficacité. Mais si c'est pour que la petite les bouffe au bout de 2 jours, c'est un peu con-con. On verra l'année prochaine si elle arrête de mâchouiller les choses. Mais voilà, écoutez, on va faire ça. C'est nouveau de chez Frontline. Et le veto m'a dit que c'était vachement plus efficace que les colliers ou les pipettes. Et c'est ce qu'on cherche, parce que ici, les tiques, même les puces, hein, s'il n'y a pas eu assez de gelée en hiver, les puces, les nids et les tiques, bah, de toute façon, hein, les nids ne sont pas morts. Et comme on habite juste, on a la forêt juste derrière le jardin, on a déjà un jardin boisé. Donc, forcément, les petites pépettes comme ça, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, donc ça, c'est bon pour les toutous. Donc, le programme de la semaine prochaine, lundi, un DIY. Mardi, ma collection de vernis semi-permanent. Mercredi, mon backup en détail pour satisfaire les curieux qui me suivent et qui font une fixette sur mon backup. Vous verrez que j'exagère pas tant que ça au final. Jeudi, le swatch and make-up de la Blue Blood que Chéri va me chercher tout à l'heure qui est arrivé au point relais. Vendredi, l'alphabet challenge H avec horloge.
Et samedi, si pas d'imprévu, on fera un petit live. Je pense qu'on fera un live crime pour parler de l'affaire Grégory. Voilà, parce que c'est encore comme un peu comme le Xavier Dupont de Ligonnès. Là, c'est carrément un cold case, mais c'est une histoire qui me perturbe, entre guillemets, mais qui me tient à cœur, on va dire. Voilà. Et dimanche, le vlog. Et si jamais samedi je ne sais pas faire le live, si j'ai bien reçu la palette et que j'ai eu le temps de la tourner, je vous mettrai à la place le swatch and make-up de l'alien de Jeffrey Star. Sinon, ce sera pour le lundi qui suit. Voilà. Voilà. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Ouais, non, j'ai rien d'autre à vous dire. Faut que je trie ce week-end, il faut que je trie ma garde-robe. C'est une honte. J'ai tellement de fringues, je mets tout le temps la même chose et je continue d'en acheter. C'est honteux. Mais bon, quand on passe d'une taille. Combien je faisais avant? 56-58, je crois quand même. Hein. À 1,38-40. Forcément, on se lâche. Avant, je pouvais pas me permettre d'acheter autant de vêtements parce que de toute façon, j'avais pas envie de m'habiller. Quand j'allais quelque part, je mettais toujours la même chose, mon jeans et un pull et point barre. Voilà, bref. Ouais, donc je vous ai donné le planning. Bah écoutez, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. J'espère que votre week-end a été agréable. Et n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de répondre aux questions que j'ai pu vous poser durant ce vlog, que je ne sais plus c'est lesquelles, de partager, voilà, partager mon contenu, qu'on monte, on continue à monter. J'aimerais bien lancer ce foutu concours des 5000 abonnés quand même un jour, hein, parce que le carton me traîne en haut. Voilà, et comme j'ai rangé mon bureau, j'aimerais bien que ça dégage aussi. Le colis du DIY, du concours DIY que j'ai fait est arrivé à bon port. Nénette doit aller le chercher. Donc mon abonné doit aller le chercher au point relais. Et voilà. C'est tout. Donc ben moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, bisous.